Alors, pour finir, on va passer aux origines des cromlechs. C'est quoi cet ovale mégalithique? Alors, vous en avez deux ici pour le Ménec, l'ouest et l'est, et vous en avez un autre à Kerlescan. On en trouve un peu partout, il y en a en Angleterre, on en trouve même en Égypte, qui a rigoureusement la même forme que celui de Ménec, et qu'il est possible de dater, mais ça, on verra plus tard. Et alors, les cromlechs sont fabriqués à partir d'un cercle mégalithique, et la moitié a été étirée pour fabriquer un ovale. Alors, on trouve des milliers de cercles gravés, aussi bien en Angleterre qu'en Bretagne, que partout dans le monde, au Japon, au Sénégal et partout dans le monde. Et ce sont en fait des cercles qui ont un rapport avec des monuments funéraires, parce qu'au centre, en général, on trouve souvent des tombes. Donc, ils se mettaient au centre de ces cercles pour accomplir les rites funéraires. Voici quelques cercles que l'on trouve un peu partout. Vous avez ici donc celui-là, Debilskoit, ça c'est très, très grand. Ici, d'autres cercles que l'on trouve en Grande-Nodda. Ici, le fameux Stonehenge. Et ici, un autre qui s'appelle Delfour, qui se trouve aussi en Angleterre. Or, on remarque que ces cercles sont souvent concentriques. Et en particulier celui-ci, c'est la signature d'un phénomène céleste qui s'appelle le halo solaire atmosphérique et qui correspond à deux cercles de lumière qui entourent le Soleil. Ici, vous avez un cercle de 22 degrés et ici, un cercle de 43 degrés. Alors, vous imaginez, si on dessine sur le sol ces deux ronds, en mettant la tombe du défunt au milieu, il s'identifie au Soleil, comme dans les pyramides, et donc il assure sa renaissance et sa vie éternelle au maximum. Donc, il est très probable que les cercles correspondent justement à ce halo solaire atmosphérique. Alors, ce halo solaire atmosphérique est produit par la réfraction et la réflexion de la lumière du Soleil dans des cristaux de glace, dans des nuages de cristaux de glace qui se trouvent soit en haute altitude, soit par terre lorsqu'il fait froid et qu'il y a de la neige. Alors, voici, ces cristaux de glace sont soit des cristaux de glace plats, soit des petits crayons, comme ça. Et la taille de ces cristaux de glace, ça fait à peu près un dixième de millimètre. Et dans les nuages, il y en a des milliards et des milliards. Ça forme, ces réflexions et ces réfractions de la lumière du Soleil forment des lignes de lumière absolument magnifiques. Donc vous avez ici le cercle de 22 degrés, le Soleil est ici. Et de chaque côté, vous avez ce qu'on appelle des parhélies, qui chez les anciens Égyptiens s'appellent les yeux oujda. Ici, vous avez l'arc tangent supérieur qui a des formes qui ressemblent à des ailes d'oiseaux. Et chez les Égyptiens, un oiseau représente la Renaissance, et on le voit toujours du côté de l'Est dans les représentations de l'au-delà, etc. Ici, ça s'appelle l'arc tangent inférieur. Ça aussi, des valeurs mythologiques très importantes. Il existe des logiciels qui permettent de simuler les lignes de lumière de halo. Vous avez donc ici, il s'appelle HaloSim en particulier, et on peut simuler un halo solaire pour une hauteur du Soleil égale à 10 degrés. Voilà le Soleil. Ici, ça s'appelle le cercle parhélique qui fait le tour du ciel. Ici, vous avez les parhélies de chaque côté, c'est des taches de lumière magnifiques. L'arc tangent supérieur. Et ici, vous avez le pilier solaire. Alors, le pilier solaire, c'est ce qui est à l'origine aussi bien des obélisques que des menhirs. Alors, pour les menhirs, ce n'est pas marqué dessus, mais sur les obélisques, c'est marqué dessus en hiéroglyphes. Et la traduction des hiéroglyphes pour les obélisques, c'est marqué, c'est « rayon de soleil figé ». Alors, quoi de plus joli qu'un rayon de soleil figé, que ce pilier solaire qui part du soleil? C'est exactement la même chose que le reflet du soleil sur l'eau. Vous voyez, une grande bande de lumière. Et en fait, ça se réfléchit sur les faces des petits cristaux qui sont orientés dans tous les sens et qui réfléchit la lumière comme un trait, comme le reflet sur l'eau. Donc, c'est ça qui est à l'origine des obélisques et des menhirs. Mais, avec ce logiciel, il est possible de simuler tous les halos que l'on peut trouver, y compris des halos très rares. Thank you.
y a un nommé Lowitz, qui est un spécialiste des halos solaires, qui a trouvé que, de temps en temps, lorsqu'il faisait extrêmement froid, on pouvait trouver des arcs de lumière extrêmement rares qui se trouvaient tout autour du halo. Alors, en voici, et il appelait bien sûr les arcs de Lowitz. Voici ici, là et là. Alors, ils sont provoqués par des réflexions multiples à l'intérieur du cristal, des cristaux dans les nuages, et lorsqu'il fait très froid. Vous voyez ici, en 1500-1600, il y a eu le petit âge glaciaire et il faisait très froid. À ce moment-là, il y avait très souvent des halos et les gens ont dessiné des halos de solaires pendant les périodes froides et on peut voir déjà, aux alentours de 1500-1600, des arcs de Lowitz. Donc ce n'est pas Lowitz qui les a inventés, mais les gens pendant le petit âge glaciaire. Et on les trouve dans les gravures anciennes. Mais en plus de ces arcs, il y a aussi deux arcs magnifiques qui sont des arcs de Lowitz et qui forment cette courbe ici. Et alors, si on compare ces arcs de Lowitz avec les cromlechs, on s'aperçoit que c'est rigoureusement la même chose. Vous voyez ici le Menec, le cromlech Est, je le superpose aux arcs de Lowitz du halo solaire et à ce moment-là, on peut identifier que les cromlechs ont été réalisés à partir des observations lorsqu'il faisait très froid du halo solaire autour du Soleil. Voilà, donc on a fini pour interpréter les alignements. Alors on va passer aux mythologies du passé. Alors, en s'inspirant des mythologies égyptiennes, on s'aperçoit que ces mythologies à la fois de Karnak et de l'Égypte sont à peu près pareilles. Les anciens pensaient, dans leur mythologie funéraire, que les étoiles étaient les âmes des morts. Les dieux planètes prenaient en charge les âmes des morts et les conduisaient dans l'au-delà, le long de l'écliptique. Et les mythologies, donc, comme je vous l'ai déjà dit, les mythologies à l'origine des alignements sont identiques à celles de l'Égypte, mais qui ont cours 1500 ans plus tard. Alors, ces alignements étaient des messages pour les dieux. Voilà alors ce qui s'est passé pour Karnak, pour le Menec. Le 15 mars, c'est-à-dire 6 jours avant les premières mesures, la planète Vénus, qui était la déesse Vénus, je ne sais pas comment elle s'appelait à l'époque, passe à côté de l'étoile mystérieuse, l'étoile variable, qui est prise pour une âme de mort. Donc elle prend en charge cette âme des morts et la conduit le long de l'écliptique jusqu'à la Voie lactée. Le premier jour des mesures, le 21 mars, Vénus, la déesse Vénus, se trouve sur l'équateur galactique, au centre de la Voie lactée, et sur l'écliptique. À ce moment-là, elle va utiliser l'angle qu'elle trouve sur le cromlech Est, de 60 degrés, pour transférer l'âme du défunt sur la Voie lactée. Et la Voie lactée, à l'époque, cette accumulation d'étoiles, les anciens pensaient que c'était le purgatoire, le séjour des morts pendant leur vie, avant la vie éternelle. Alors à ce moment-là, l'âme fait probablement le tour du ciel. Et revient ici. Elle est reprise en charge en réutilisant les 60 degrés pour retourner sur l'écliptique et la déesse Vénus se relie avec Jupiter, avec une sorte d'élastique, cette ligne, pour entourer les Gémeaux et pour se tirer vers les Gémeaux. À ce moment-là, le 12e jour, elle arrive dans les Gémeaux, ici, comme ça, là. Elle arrive dans les Gémeaux le 12e jour et elle va utiliser l'angle qui est marqué sur le cromlech ouest, 47,6 degrés, qui donne l'angle pour aller vers le nord. Et à ce moment-là, l'âme du mort va se retrouver parmi les autres étoiles qui tournent inlassablement, infiniment autour du pôle nord. Ça s'appelle la vie éternelle. Et donc, pour eux,
la vie éternelle se situait autour du pôle. Donc, elle, ni elle se couchait, ni elle se levait. Ça s'appelle des étoiles impérissables chez les Égyptiens. Et à ce moment-là, au bout d'un certain temps, il y avait un signe, je ne sais pas lequel, dans lequel il y avait la renaissance du défunt. Et alors, à ce moment-là, il reprend l'angle de 47,6 degrés, il se retrouve dans la constellation des Gémeaux à l'est, au moment où il se lève, en compagnie du Soleil. Et à ce moment-là, l'âme de mort va renaître en utilisant la force et l'énergie du Soleil entre Castor et Pollux. Et donc, c'est une renaissance glorieuse vers l'est. Donc, ces alignements, c'était des messages pour les dieux pour obtenir la vie éternelle et la renaissance. Et donc, tous ces efforts, c'était ça. Donc, vous avez vu l'interprétation des quatre alignements, ainsi que les cromlechs, et nous avons pu en déduire des tas de choses. D'abord, c'était une œuvre colossale, c'est fantastique d'avoir réalisé et construit tous ces menhirs, aller les chercher, les transporter, les trier, les mettre par ordre de grandeur de l'est vers l'ouest, avec une précision extraordinaire. Il y avait donc une organisation du travail fondamentale, des techniques de construction qui étaient aussi à l'image de tous ces travaux. Ils avaient des connaissances de tracés géométriques vraiment très importantes, des connaissances astronomiques. Vous voyez, par exemple, ils savaient que c'était tout la pleine lune pendant un solstice se produisait tous les 30 ans. Je ne savais pas. Heureusement qu'il y a Luc qui m'a donné cette information. La précision des mesures, les mesures s'effectuent à un dixième de degré près, ce qui est difficile à faire même de nos jours. Et aussi, la transmission de l'information astronomique, c'est presque ça qui est le plus important, parce qu'ils se parlaient et ils avaient des méthodes pour conserver l'information, comme dans une clé USB que l'on fait à l'heure actuelle. Voilà. Et donc, pour fêter la fin de la conférence et la fin des constructions de Karnak, les constructeurs de Karnak ont fait une grande fête dans le Menek Ouest. Et mon collègue Bardin, qui a réalisé tous les dessins du livre, a effectué une vue artistique du ciel réel qu'il y avait à environ 23 heures vers l'ouest, en 4400 avant Jésus-Christ. Ici, vous avez le scorpion. Là, vous avez la couronne australe. Ici, vous avez la voie lactée. Et là, vous avez l'aigle, la constellation de l'aigle. Voilà, ben, je vous remercie. S'il y a des questions ou autres, j'espère que je n'ai pas été trop...